8h15, bien avant l'ouverture des pistes au public, un groupe très équipé accède à l'Olympique. Il y a des horaires, des restrictions. Déjà, il faut qu'il y ait des bonnes conditions météorologiques, une neige qui a gelé. Et sinon, par les remontées mécaniques, on a une autorisation par le service des pistes et par rapport à l'association Baïkaval. Après, on prend le premier téléphérique. Alors il est à 8h15, on monte, on est en solo avec les pisteurs ils nous ouvrent les pistes et après nous on descend juste après. But de cette sortie, sous beau temps, descendre à fond et à vélo la piste de la Face ou de la Oka. Les cycloriders de l'association Baïkaval connaissent pratiquement chaque matin les sensations d'une glisse optimum et délirante sur leur VTT. Sensation de la vitesse, c'est assez sympa et puis bon... Quand on a une température assez fraîche, de moins 6 jusqu'à moins 10, la neige elle est bien dure, on arrive déjà à mieux accrocher la piste. Après, dès qu'on est au-dessus des moins 5, 0 degrés, là, la neige elle est déjà plus molle, on a tendance à s'enfoncer et à chasser, et voire faire la chute. Un matériel adapté pour des sensations et un pilotage différent de celui de l'été. Je fais beaucoup de VTT en temps normal, je fais beaucoup d'enduro, un peu de DH aussi l'été. Et je me suis dit, l'histoire de ne pas oublier le vélo l'hiver, tant qu'à faire, on va en faire aussi l'hiver. On fait du ski d'été, pourquoi pas faire du bike. Rien à voir avec l'été, c'est quand même glissant, on est sur de la neige. Moi je fais sans clous, c'est déjà un peu différent. Mais ça se contrôle pas trop mal en fait, plus tu vas vite, plus tu arrives à contrôler. Les amateurs peuvent essayer, il suffit de venir au petit matin avec son matériel, mais surtout l'envie de braver l'appréhension de nouvelles émotions.